pas une petite expérience. Bon, je mélange rien, mais ça sert à rien. Mais confession, on va le faire. On va imaginer que je suis un joueur de poker et que je suis un croupier. Mais un croupier un peu véreux, tu vois. Et c'est-à-dire qu'en prenant le jeu de cartes, je peux faire gagner en fait n'importe quel spectateur, tu vois, qui m'arrange, hein, en but dans n'importe quelle position de joueur. Et tu sais que dans un truc de poker, c'est on prend le jeu d'abord, on coupe, on mélange, et après on fait les coupes, on va dire, sur table, et à partir de là, on vient donner les cartes. Je vais pas faire tout ça parce qu'on pourrait penser que je manipule beaucoup. Je vais simplement faire que deux mélanges. Les deux mélanges les plus parfaits au monde. Okay. C'est quand les cartes s'imbriquent vraiment l'une dans l'autre. Mais seulement que ça. Et après, je distribuerai normalement. T'aimerais que je fasse gagner le joueur numéro 1, le joueur numéro 2, le 3 ou le 4 ? Je préférerais que tu me fasses gagner. Ben oui, ben alors, quel joueur tu es ? Alors, en deuxième position. C'est en deuxième position. Voilà. Eh ben, en seulement deux mélanges, tu vois. Donc, le mélange le plus parfait au monde, c'est-à-dire je coupe. Je vais mélanger une première fois, tu vois. Je fais rien de plus, hein. Et je vais le manger une deuxième fois, tu vois. Hop. Tu vois, voilà. Et sans rien faire de plus, je donne la carte au joueur numéro 1. La deuxième, comme ça, c'est pour le suspense, joueur numéro 2, joueur numéro 3, joueur numéro 4. Joueur 1, 2, 3, puis 4. Joueur 1, 2, 3, et puis 4. Le joueur 1, puis 2, puis 3, puis 4. J'ai 5 cartes, joueur numéro 1, numéro 2, numéro 3, numéro 4. Toi, j'ai rien fait de plus. Okay. T'as mélangé le jeu, j'ai repris, j'ai remélangé le jeu. Tu m'as demandé que le joueur numéro 2, en l'occurrence, toi, voulait gagner. J'ai distribué les cartes, joueur numéro 1 à un as et un roi, rien de particulier. Il peut peut-être faire une suite, le 1, le 2, tu sais, il lui manque le 3 pour faire 4-5. Là, une paire de rois, rien d'exceptionnel. On ne sait pas ce qui va sortir après. Là, une paire de neuf. Enfin, bon, bref. Ça, c'est pas miraculeux. Ce qui est miraculeux, c'est que en plus de t'avoir fait gagner de tous ces joueurs-là, je t'ai mis une quinte-floche royale dans l'ordre. Ah, tu voulais retourner une par une, hein ? En plus, je t'ai mis dans l'ordre. As, roi, dame, valet, et bien sûr, à pique. Bien évidemment. T'as des questions ou pas ? Tu voulais jouer au casino ? Écoute, je jouerai au casino que quand tu seras le croupier. Ah oui, tu pourrais peut-être penser que le jeu est truqué. Non, tu peux effectivement examiner qu'il n'y a aucun trucage dans les cartes, puisque j'aurais pu prendre ton propre jeu de cartes. Donc là, tu vas apprendre la technique, comment mettre cette quinte-floche là où tu as envie. Exactement. Si tu veux, tu feras toujours deux mélanges. Toujours pareil. Deux mélanges les plus parfaits. Et c'est lui qui décide 1, 2, 3 ou 4. Exactement. C'est fou, c'est pas mal. Ah oui. Ça vaut pas le mien, mais c'est pas mal. Bon. Voilà. On est dans le poker ce week-end. On est dans le poker, voilà. On a besoin d'argent, donc du coup, on est obligé de ou soit le faire légalement ou illégalement. Donc moi, j'ai décidé illégalement. C'est vrai qu'il est bien, hein. Ça fait plusieurs fois que je te vois le faire. Voilà. Et. Je vois pas. T'as une idée, Michel ? Il y a des donnes du dessous, des donnes du dessus. Ah non. T'as pas vu que je fais ça naturellement. Non, je me suis approché exprès pour voir s'il le faisait. Et j'ai pensé à ça aussi. Je me suis dit, je les vois pas, mais il me les fait, mais... J'aurais pu faire ça. Mais leur expliquer ça, on va dire, il y en a qui, ça serait trop compliqué. Même si je n'ai pas dit que c'était simple. Hein. Ouais. Mais, ils n'ont pas besoin de toi pour savoir faire ça, si c'est des dents en dessous. Exactement. Et donc, le Michel aurait pu mélanger, distribuer. Ah, mais Michel aurait pu effectivement distribuer aussi. Ah, c'est encore plus fort, là. De quoi ? Ah. C'est vrai ? Je suis pas... Pourquoi tu veux qu'on retente une expérience ? Tu veux qu'on retente une expérience ? Si je peux distribuer, alors... On va... Attends, juste dernier petit mélange. Hop. Hop. Dis-moi le joueur que tu veux qui gagne, en seulement deux mélanges. On va dire le troisième. Pourquoi ? Regarde, premier mélange, il n'y a pas de triche, hein, tu vois ? Hop, et puis deuxième mélange. Hop, tu regardes. Tu vois ? Rien fait de plus, hein ? Tiens, vas-y, donc, sors la première carte, tu la retournes. Deuxième carte, tu la retournes. Troisième carte, tu la laisses face en bas. Voilà. Allez, puis tu continues, hein. Première carte, deuxième carte,
je te surveille si tu fais des dons. Ouais, on sait jamais que si tu me fais une donne en dessous, une donne du milieu ou quelque chose comme ça. Il t'en manque plus que deux, Michel. Est-ce que tu penses avoir fait ce miracle? Alors, plus qu'une. Si ce miracle-là, je... Tu vas pas me dire que tu t'es encore distribué une quinte-cloche royale à l'ordre et d'un pic. Voyons ça. Un petit peu. Ouais, là-bas, ça sert à rien. Et ici? Et retourner une par une, ça va t'énerver. Dans l'ordre. Dans l'ordre, en plus, encore? Bon, tu vois que je fais rien de spécial. Bon... Quand je saurais faire ça, ben, on va voir l'explication. Ouais. Tu vas voir l'explication dans quelques secondes. Nickel, Jérôme. À bientôt. Allez, au prochain. Tu leur dis au revoir. Allez, au revoir.